together. Let this fire burn inside our hearts. Let us soak in all the pleasure. Now that the rain is slowly pitter-patting, we are lost inside our lover's nest. We don't need the world, we just need us. What if we'd stay like this forever? These wine-colored days, summer is gone. Deep, cold, velvet nights when we are one. Shortly have us fallen flat. By the springtime we'll be strangers. Who knows, it might just last forever. We don't need the world, we just need us. I wish we'd stay like this together. We don't need... Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, j'ai été chez ma soeur avec... puis mon fils. On est revenu tout à l'heure. J'ai rangé un peu la maison. Ben, je suis la salle. Donc, j'écoute la télé, je pense à relax. Bref, on se voit dans un prochain télé. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ce matin, c'est particulier parce que c'est rare que je puisse vraiment vous parler comme ça. Là, c'est très rare parce que j'ai jamais, d'habitude, j'ai pas le temps ou j'ai jamais un moment approprié pour vraiment vous parler. Mais ça donne que cette semaine, je suis en vacances. La semaine prochaine aussi. Donc, j'ai 2 semaines de vacances. Je suis vraiment contente. Fait que j'ai beaucoup de choses que je dois organiser par contre pendant mes vacances parce que, comme vous le savez, je vais déménager d'ici quelques mois et parce que on a acheté une maison. Et oui, puis donc, si vous n'avez pas encore vu les vidéos concernant la maison, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous pouvez cliquer sur le lien ici. C'est là où ce que vous allez voir la maison au moment qu'on l'a visitée. Puis après ça, j'ai une autre vidéo que j'ai faite quand je vous annonce que finalement, on l'a eu cette maison. Donc, ça va être cette vidéo-là ici. Donc, vraiment, c'était vraiment des belles nouvelles. Des bonnes et belles nouvelles. Non. C'était des bonnes nouvelles. Donc, vraiment,
jusqu'à présent, j'ai encore ce bonheur dans mon cœur, mais j'ai vraiment, vraiment hâte d'y emménager. C'est une superbe maison pour vraiment très adaptée pour notre famille. On est vraiment heureux, mais on a vraiment hâte d'y emménager. Fait que c'est ça. Fait que pendant mes vacances, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le gros ménage, en fait. Je vais vraiment essayer de trier vraiment toutes les choses que j'ai à donner, tout ce que j'ai, que les choses que je vais jeter, diminuer le plus de trucs, même si on est encore quelques mois en avance. Je préfère m'y prendre d'avance pendant que j'ai le temps, parce qu'après, je n'aurai plus le temps de faire ça, parce que je vais retourner travailler. Ensuite, l'autre chose que je dois régler aussi, c'est que on doit faire visiter le condo aussi pour le faire sous-louer, parce que j'avais renouvelé le bail. J'avais pas le choix de le faire renouveler parce que c'était nous, on déménage le 1er octobre. Donc, voilà. Fait qu'entre-temps, il faut trouver quelqu'un pour le faire sous-louer, ce superbe condo. Fait que voilà, je vais tout gérer ça, donc mettre l'annonce, je pense que je vais mettre l'annonce sur Marketplace. Et c'est un superbe condo en passant d'un 4,5 à Laval. Vraiment, j'ai vraiment adoré habiter ici parce que c'est très familial aussi. On est collé avec un parc, une école. Les garderies, il y a plusieurs garderies à proximité. Vraiment, c'est superbe, là. C'est l'endroit, un bel endroit où vivre avant même d'aller s'acheter une maison, tu sais. Je trouve que c'est très résidentiel ici, vraiment super, super, super. Donc, c'est sûr, ça va manquer ici. Fait que l'avantage qu'on déménage en plusieurs mois, c'est que on peut profiter. On peut profiter de la maison. C'est sûr que j'ai moins mis d'efforts depuis un petit bout, là. J'avoue que j'ai pas fait beaucoup d'efforts parce que, sachant que je vais déménager, donc, tu sais, tu peux pas vraiment changer de meuble, acheter des nouvelles choses. Tu sais, c'est un peu dur pour moi, pour ça, de ce côté-là. Mais, regarde, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Donc, voilà. Mais c'est ce qui est prévu pour aujourd'hui. Mais avant toute chose, je pense que je vais, avant de commencer, je vais filmer quelques petites vidéos officielles pour vous, pour la chaîne YouTube ou pour ma nouvelle série que je vais faire sur Instagram, que j'ai commencé sur Instagram parce que, oui, j'ai commencé une nouvelle série aussi sur Instagram parce que je voulais pas juste partager mon quotidien sur YouTube. Je voulais le partager aussi sur une autre plateforme comme Instagram. Je trouve que c'est une belle plateforme où on peut partager aussi des vidéos. Par contre, ça va être des vidéos un petit peu plus mini-série, mini-vlog. Sur YouTube, vous allez vraiment plus retrouver en long et en large toute ma vie, là. Fait que je vais vraiment... C'est là que vous allez regarder mes vidéos comme vraiment qui durent 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Donc, c'est ça. Fait que suivez-moi sur la chaîne YouTube si vous voulez vraiment, vraiment suivre mes vidéos. Puis vous pouvez cliquer sur la petite cloche, il faut vous abonner. Et cliquer sur la petite cloche de notification pour que à chaque fois que je mette des vidéos sur ma chaîne, que vous soyez au courant et à l'affût. Et c'est ça. Pour ma page Instagram, je vous mets ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir mes petites séries aussi qui sont pas... Ils ne seront pas montées de la même façon. Ça va être les mêmes histoires, mais ça va pas être monté de la même façon. Donc, voilà. Si ça vous intéresse de me suivre sur ma page Instagram, je serais bien contente. Donc, ce que je vais faire, tout ça pour vous dire que je vais filmer des vidéos. Mais des vidéos officielles, ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos qui n'ont rien à voir avec des vlogs. Je sais pas, j'ai une idée de vidéo. J'aimerais ça faire une vidéo sur mes vêtements trouvailles que dans les friperies, parce que vous savez que j'aime beaucoup magasiner dans les friperies.
Et je voulais vous montrer mes petites trouvailles que j'ai faites dans des friperies. Que c'est fou, là. Je trouve qu'on en a pour son argent. Vraiment, ça permet tellement d'économiser quand t'achètes dans une friperie. Mais tellement, tellement. J'en prends plaisir, là, d'aller là-bas. Parce que je me dis, my God, j'ai un sac de vêtements que ça m'a même pas coûté 100$. Puis c'est toutes des choses qu'en temps normal, ça m'aurait coûté des milliers de dollars. Donc, c'est vraiment une économie fou. C'est sûr, c'est pas tout le temps des choses de qualité. Je peux comprendre. Parce que je suis aussi du genre très d'accord d'acheter des choses de qualité pour que ça dure plus longtemps. OK? Je suis hyper d'accord. Mais si, mettons, vous avez besoin de faire une pause côté financier ou tout ça, puis que vous aimez vous mettre coquette comme moi, vous mettre coquette, mais vous voulez pas dépenser tant d'argent que ça. Mais temporairement, vous pouvez faire ça, aller dans des friperies, puis vous acheter des belles robes, des chaussures. J'ai tellement trouvé des choses de fou, des robes, des chaussures. Je vais vous mettre des images ici parce que, mais en fait, je vais vous mettre une vidéo dans laquelle que j'ai partagé vraiment quand j'ai essayé des vêtements là-bas. Je peux vous mettre le lien de la vidéo, mais aussi je vais vous mettre des images de quand j'ai essayé des vêtements là-bas puis j'ai trouvé des superbes trouvailles. Donc, je vais vous mettre des images un peu partout pour vous montrer que on peut tellement se faire belle même avec des moyens financiers très... Tu sais, vous pouvez amener un 100$ puis vous allez pouvoir vous habiller pour toute une saison. Je ne sais pas si je devrais faire un jour, à un moment donné, si vous voulez, faites-le-moi savoir que j'aille dans une friperie puis que je vous montre comment moi, je m'y prends pour acheter et trouver. Parce que des fois, tu peux arriver là-bas, tu dis, mais j'ai rien trouvé, là, tu sais. Mais si tu vas déjà avec l'idée que tu vas rien trouver, tu trouveras rien. Vraiment, si tu vas déjà avec cette idée-là, tu trouveras rien. Puis si tu prends pas le temps de chercher, il faut savoir quel style que tu vas adopter. Tu connais ton style, tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu cherches. Il faut vraiment chercher. C'est comme chez Winners. Il faut vraiment prendre le temps de chercher. Tu ne peux pas y aller en 5 minutes. Il faut vraiment que tu saches que tu vas là-bas au moins 30 minutes. Chercher, chercher, chercher. Et je vous conseille de ne pas emmener du monde avec vous. Soyez seul parce que vous allez être plus concentré. Voilà. C'est mon petit conseil de la journée. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais filmer une vidéo spéciale pour vous sur mes trouvailles de friperie. Et voilà, c'est ce que je vais faire ce matin. Après, ben, je vais m'y mettre, je vais vraiment faire le gros ménage chez nous, faire le tri pour le déménagement et ça va être ça, la journée. Pour l'instant, mon fils est à la garderie, donc je vais en profiter et mon chum, il est pas là pour la journée, donc ah ouais, les gars sont dehors, moi j'en profite. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Et on se voit dans le prochain clip. Bye! Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que je suis contente, j'ai un sourire aux lèvres parce que j'ai été capable de faire deux vidéos pour mettre sur ma chaîne YouTube, mais que je vais aussi mettre sur mes séries Instagram. Donc voilà. Je suis vraiment contente parce que j'ai été capable de filmer deux vidéos. Il y en a une, j'ai fait une vidéo tuto make-up. Une vidéo tutoriel make-up, donc le look que vous voyez en ce moment, je l'ai filmé. Je suis vraiment contente. Ça m'a pris 30 minutes de la filmer, mais quand même, c'est bien. Moi, je fais les vidéos comme ça, donc j'ai pas besoin de me pratiquer ou des trucs comme ça. Je le fais vraiment avec le cœur, puis je le fais vraiment sur le coup. Et après, c'est pour ça qu'il y a plein de vêtements ici. J'ai fait aussi une deuxième vidéo, une vidéo sur... sur les vêtements que j'ai trouvés dans des friperies. Je trouvais que c'était super important que je fasse cette vidéo parce que j'ai fait tellement de belles trouvailles que je pouvais pas me taire. Je pouvais pas me taire. Donc, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir pu réaliser ces vidéos-là. Fait que, voilà.
Je pense que là, ce que je vais faire du ménage. J'aurais, en temps normal, j'aurais filmé. J'aurais pu filmer mon ménage, mais j'ai tellement de choses à faire. C'est tellement des choses de d'organisation et tout. C'est sûr que ce sera peut-être pas dans cette vidéo. Si je filme ma routine ménage, ce sera dans une autre vidéo. Mais sinon, je pense que je vais closer la vidéo ici. Donc, je suis vraiment contente que vous avez regardé mon vlog. Et j'espère que vous aimez me regarder aussi, regarder ce que je fais. Est-ce que si vous voulez en savoir plus aussi dans mon quotidien, dites-le moi. Je peux vous, tu sais, vous filmer d'autres choses aussi. Mais je prends le temps et j'ai pris le temps vraiment de filmer ces temps-ci parce que là, je suis en vacances. Je me permets de vraiment prendre le temps de filmer. Et voilà. Puis je trouve que quand je prends le temps, les vidéos sont bien meilleures. C'est ce que je trouve. Et voilà. Je me suis dit que je pourrais faire des vidéos par rapport, ben une vidéo par rapport à mon ménage. Mais aujourd'hui, c'est quand même particulier parce que c'est un ménage, genre, intense parce que, justement, le fait que je vais déménager, j'ai besoin de faire beaucoup de tri et tout. Donc, je vais essayer de voir si je peux vraiment tout filmer. Je vais filmer quelques séquences de mon ménage. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment voir ce genre de vidéos. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Là, je suis toute apprêtée. C'est parce que j'ai pris le temps de filmer quelques vidéos avant ça pour ma chaîne YouTube et ma série d'Instagram. Donc, c'est pour ça que vous me voyez maquillée et tout. Mais sinon, j'ai mis un pantalon de sport. Et j'ai mis, bon, un petit top fancy, là, juste pour vous parler. Mais sinon, suivez-moi dans dans ma petite routine. Puis, ben, c'est ça, on se voit dans le prochain clip. Bye! J'ai fini de faire la vaisselle. C'était vraiment long. Pour de vrai, là, je déteste faire la vaisselle. Non, je n'ai pas de lave-vaisselle. J'ai l'intention d'en avoir un dans ma nouvelle maison. Donc, bon, pas grave. Pour l'instant, je vais faire la grosse vaisselle. Mais pour de vrai, c'est quelque chose que je déteste faire. Parce que je trouve que ça prend beaucoup de temps. Bref, c'est fait. La vaisselle est faite. Donc, je vais continuer à ramasser. Dans la cuisine, dans le salon. Donc là, je suis dans cette phase-là. Ensuite, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais peut-être faire les chambres à coucher après. Et la salle de bain, j'ai l'intention de nettoyer la salle de bain et le frigidaire. Je sais pas trop si je vais avoir l'énergie de faire tout ça aujourd'hui. Je vais voir. Je sais pas si je vais avoir le temps aussi. Mais j'ai le garde-robe qui est ici, le placard qui est juste derrière vous. Ce placard-là doit être vidé. Je vais le vider parce que, ben, vider. Réorganiser pour que quand je fais des visites, pour les prochaines visites pour la location ici. Donc, c'est ça. Je pense que ce que je vais faire, je vais vraiment faire le ménage, genre, basic, là, aujourd'hui, pour pas trop me fatiguer. Parce que là, j'ai vraiment fait, j'ai fait des vidéos, puis là, je fais le ménage, mais faut pas, tu sais, je suis en vacances pendant plusieurs jours, donc je vais avoir le temps, fait que je suis pas obligée de faire tout d'un coup. Je fais le mieux que je peux, puis après ça, ben, on verra bien que c'est ça. Continuez à me suivre, on se voit tantôt!
did my name and dinner at restaurant Le Maurice. Oh no, no, it's not a date. I only drink physically. Ok, on devrait. Je pense que je vais presque m'arrêter là, là parce que j'ai vraiment chaud. Je suis vraiment fatiguée. Vraiment, je suis déjà épuisée. J'ai pas fait grand chose. Pour de vrai, j'ai pas fait grand chose, mais je suis déjà vraiment épuisée. J'ai envie d'aller faire une sieste. Je vais en profiter pendant qu'il y a personne dans la maison pour que je puisse me reposer. Mais je pense avant ça, je vais quand même ramasser un peu dans la chambre. J'avais déjà commencé la chambre à coucher. Mais c'est ça. Je suis vraiment, vraiment épuisée. Là. Je pense que le reste, je vais le continuer. Soit plus tard, soit demain, pour de vrai, mais je veux pas trop, je veux vraiment pas trop me fatiguer. Je me suis mis des limites. Je me suis dit, bon, je vais faire le ménage, mais je veux faire vraiment ce qui est vraiment important, là, que je pouvais plus vraiment voir, c'était la vaisselle, puis le salon, là, c'est la place que je suis le plus, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait. Là. Donc, j'ai fait la vaisselle. J'ai nettoyé les surfaces de comptoir. Ensuite, il faut que je sorte les poubelles. Après ça, ben, j'ai nettoyé le salon ici. Tout ramassé, balayé. Ma cuisine ici. Vous voyez, j'ai vraiment un gros problème avec les jouets de Dawson. On a beaucoup, 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 beaucoup de jouets. Il y en a plein dans sa chambre. Puis les gros jouets sont ici. Donc ça, c'est vraiment un souci de rangement ici pour les jouets. Par contre, dans notre maison, on a beaucoup d'espace de rangement. On aura beaucoup d'espace de rangement. C'était vraiment c'était obligatoire d'avoir du rangement. On a un garage aussi, si on veut mettre d'autres choses. Fait qu'on... C'est ça. Pour l'instant, c'est pour ça que on voulait vraiment avoir une maison pour avoir... un peu plus de place. Donc, pour ça, j'ai vraiment hâte. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Là, je vais aller dans la chambre à coucher. Bon, ce qu'il me reste à faire, là, je suis dans ma chambre à coucher. J'avais commencé à faire le ménage, en fait. Mais c'est le bordel à cause que tantôt, j'ai filmé une vidéo YouTube, deux vidéos YouTube. Donc, j'ai sorti des vêtements, des chaussures, tout est là, tout est traîné par terre. Ben, par terre. Sur le lit, les chaussures sont toutes par terre. Mon bureau, là. Mon bureau ici. Tu sais, je me suis maquillée, donc ça fait un peu le bordel. Fait que c'est ce que je vais faire. Je vais juste nettoyer ici. Puis après, ben, je vais me reposer un peu. Je vais mettre Netflix, reposer, profiter aussi que je me repose un peu. Pas juste à chaque fois que j'ai des journées de congé, que je dois toujours être active. Là. Je ne suis pas tout le temps être obligée d'être active. Donc, je vais prendre ça relax avant que les gars arrivent tantôt. Fait que je nettoie ça, puis on se voit tantôt. Ma routine ménage. C'est pas vraiment la vraie routine parce que j'aurais voulu tout terminer, mais je vous ai au moins montré la base de quand je fais ma vaisselle, quand je nettoie mon salon et ma cuisine. Le reste, je vais essayer de pouvoir le filmer une autre fois quand je le pourrai. Mais là, en ce moment, je vais vraiment manger quelque chose, me reposer, écouter quelque chose sur Netflix. C'est ça, donc je vais prendre du temps pour moi, pour me ressourcer avant que les gars arrivent,
Donc, je veux vous remercier encore une fois d'avoir regardé ma vidéo YouTube. Si c'est pas sur YouTube que vous regardez cette série, merci de visionner ma série sur Instagram, parce que je partage aussi des vidéos sur Instagram aussi. Donc, je veux vous remercier vraiment beaucoup. Je veux que vous vous abonniez à mes pages, si vous voulez en savoir plus sur mon quotidien. Je fais pas juste des vlogs sur mon quotidien, parce que oui, je fais des vlogs sur mon quotidien, sur sur mon lifestyle et des fois des vidéos beauté, mais je fais aussi des vidéos justement de mode, d'astuces et tout, donc j'adore faire ça, puis si vous aimez ça aussi, que vous aimez me suivre, donc continuez à me regarder et de m'encourager. Moi, j'aime faire ça, je le ferai de toute façon, même s'il y a juste une personne qui me regarde, je vais continuer tout le temps à les faire. Si ça peut divertir au moins une personne, ça me ferait vraiment quelque chose. Si vous aimez mes vidéos, j'aimerais que vous m'en faites part dans vos commentaires. Donc, j'aimerais ça vous lire, savoir ce que vous pensez de mes vidéos. Et sur ce, je vous laisse. Justement, je suis en train de faire une brassée de lavage aussi. Donc, je vais terminer de faire le lavage aussi par la suite. Donc, je vous fais des gros bisous. Passez une belle journée. Bye! Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie de vous montrer mon petit look d'aujourd'hui. Je suis avec ma soeur en ce moment, mais je vais pas vous la filmer parce qu'elle est en train de se changer. On se fait une petite journée de filles. Là, on est toutes les deux en congé, fait que... on se fait une petite journée de filles. Donc, j'ai mis aujourd'hui ma petite robe léopard que j'ai, ça fait tellement longtemps. C'est vraiment une belle petite robe d'été. Je les ai mis avec ces chaussures-là aussi. C'est la première fois que je les porte. Et il y a une petite jupette juste en dessous. Là, j'ai mis un bodysuit noir, très confortable. J'ai fait un petit maquillage léger. Le rouge à lèvres que je porte, c'est le rouge à lèvres de Maybelline, le Stay True, comment on appelle ça, le Stay Fix, en tout cas. Je vous le mettrai ici. Et la sacoche que je vous ai montrée dans ma vidéo de friperie. Voilà, donc c'est mon total look de la journée. Fait qu'on se voit dans le prochain clip. Bye! Fait que je voulais vous montrer le look aussi de ma soeur. Donc, dans ton look. Regardez ça. Le petit haut ici. C'est vraiment beau ça. Vraiment, I like that. Et on est en train de se faire belle là. On se fait belle. Puis on a foutu le bordel dans la chambre en passant. Ouais, c'est vraiment bordelique. Fait que, ok. Fait que bon, ben on se voit tantôt, on va sortir, on va aller voir notre grand-mère parce que c'est son anniversaire. En tout cas, du moins, on va essayer de passer la voir si on a encore du temps. Sinon, ben c'est ça, on se voit tantôt, bye! Bye-bye! Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je viens tout juste, je me suis réveillée, ça fait pas si longtemps que ça. Mon fils vient de partir pour la garderie avec son papa. Donc, je me suis dit que j'allais un peu jaser avec vous en buvant mon café. J'ai eu le temps de faire mon lit aussi. Donc, j'ai bien dormi. Comme je vous disais, je suis en vacances. Là, on est jeudi matin. Puis, c'est ça, on est en vacances. Ça me fait vraiment du bien de prendre ça relax. J'avais besoin de me détendre et tout. Donc, ça m'a fait du bien. Hier, comme vous avez vu dans les séquences précédentes, j'ai passé la journée avec ma soeur. Fait que, c'est ça, on a passé une journée de filles. Comme vraiment, pas d'enfants, pas de chums. Ça fait du bien des journées comme ça. Mais on est quand même allé voir ma grand-mère pour son anniversaire. Là, on est juste passé la voir. On n'est même pas resté une heure. Juste comme ça, on est passé la voir. Puis après ça, ben, on est allé faire quelques commissions et on est allé chercher le fils de ma soeur à l'école. Fait que c'est ça. Là, aujourd'hui, il n'est pas très beau dehors. Je pense que ça va vraiment être une journée que je vais rester à la maison.
puis faire mes trucs là, tu sais, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup d'organisation à faire par rapport à la maison. Mais je pense pas qu'aujourd'hui je vais faire de quoi par rapport à ça. Je pense que je vais plus me concentrer sur d'autres choses aujourd'hui. Je pense que demain je vais vraiment m'y prendre. Aujourd'hui, j'ai envie de me relaxer, mais en même temps, je pense que je vais travailler, faire des montages sur pour ma chaîne YouTube. Je vais faire des plans pour ma boutique en ligne aussi. Donc j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai envie de toucher un peu mes entreprises, voir où est-ce que j'en suis rendue par rapport à ça. Et c'est ça, j'ai beaucoup de choses à faire. Je voulais terminer aussi, mais ce ne sera pas aujourd'hui que je ferai ça. Peut-être d'ici quelques jours, terminer aussi. Il me reste un livre à faire pour mon cours de décoration d'intérieur. Il m'en reste seulement un à faire. Mais j'ai tellement manqué de temps pour terminer mes affaires parce que je fais beaucoup de choses. C'est toutes des choses que je veux faire, qui me tient à cœur. Donc, je veux prendre le temps pour toutes les faire. Donc, pendant que je suis en vacances, je vais les faire. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je suis un peu fatiguée pour de vrai. Mais je veux vraiment aujourd'hui me concentrer sur mes entreprises. J'ai envie de gérer quelques trucs. Donc, ça va vraiment être ça que je vais faire et tout. Je pense pas que je vais filmer autre chose aussi aujourd'hui. Mais je voulais juste vous dire un petit coucou. Puis, j'espère que vous allez bien. Puis, c'est ça. Ça va mon café. Je vous dis ça, mon café. Je peux pas démarrer une journée. Je sais pas si c'est psychologique. Mais sans mon café, je suis rien. Bref. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Et soit qu'on se voit dans un prochain clip ou dans une prochaine vidéo. Mais c'est ça. Fait qu'on se revoit à la prochaine.